En politique, le Front National poursuit sa campagne des européennes à 8 jours de l'élection. Bernard Monod, tête de liste pour notre circonscription, a passé la journée à Limoges en compagnie notamment du député Gilbert Collard avant un meeting ce soir. Un déplacement qui, vous le voyez, a provoqué des rassemblements d'opposants à l'appel de plusieurs partis comme le PS ou l'UMP, d'organisations syndicales et d'associations. En fin d'après-midi, place de la Motte, environ une petite centaine de personnes étaient réunies. Bernard Monod, qui est l'invité de notre journal, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, le Front National est, selon les sondages, au coude à coude, voire donné en tête pour le scrutin du 25 mai. Si vous êtes élu, quelle sera votre action au sein du Parlement européen alors que c'est paradoxal, vous êtes plutôt anti-européen si on en croit vos affiches et votre acte. Au contraire, il n'y a aucun paradoxe à cela, puisque le seul parti national, c'est donc le Front National, qui sera prêt à défendre les Français au Parlement européen. Nous allons là où le combat, où la bataille fait rage, donc effectivement c'est au Parlement européen, pour défendre la France et les Français, les intérêts vitaux de la France, comme dans le cas par exemple de d'Alstom, dans le cas également du chômage massif qui est en hausse constante. Donc il faut bien des avocats pour défendre les Français. Nous serons ces avocats-là et nous pensons arriver en masse pour constituer un groupe parlementaire avec d'autres partis patriotes européens. Des Français qui, si on en croit aussi les enquêtes, sont peu passionnés par ce scrutin. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'ils ne sont moins concernés parce qu'ils souffrent moins effectivement de cette Union européenne qui est une camisole de force, une prison des peuples, puisque eux-mêmes ont leur monnaie nationale avec la livre sterling, qu'ils ont leurs frontières puisque c'est une île, donc ils souffrent beaucoup moins des méfaits effectivement de l'Union européenne et de la Commission de Bruxelles. Alors la circonscription Limousin-Centre-Auvergne est très rurale. L'Europe donne des centaines de millions d'euros de subventions indispensables notamment aux agriculteurs. En Limousin, 325 millions d'euros en 2012 au titre de la politique agricole commune. Pensez-vous que l'on puisse faire mieux ? Ah oui, beaucoup mieux, avec la politique agricole française. C'est ce que j'appelle donner une grande paf à la PAC, qui est en total déclin, puisque 2014-2020, les subventions données au titre enfin, le budget de la PAC va être en totale diminution. On va passer de 9 milliards jusqu'à la disparition en 2020 de la PAC. Le monde agricole, les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs en ont totalement pris conscience. Et la région la plus aidée financièrement par l'Europe. Oui, pour l'instant, mais ça va disparaître. Ils seront touchés comme toute la plupart des régions, malheureusement. Et nous, ce que nous proposons, c'est une PAC. Que Bruxelles est important, finalement. Non, bien au contraire. La PAC aujourd'hui, comme je vous le dis, est en démantèlement total. Le monde agricole, les agriculteurs l'ont pris conscience. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti qui donne 43% des agriculteurs qui ne veulent plus de cette politique agricole commune. Les agriculteurs veulent vivre de leurs revenus, de leur travail, dignement et ne plus se dépendre de cette subvention. Et nous proposons donc la PAF, un budget qui serait augmenté, revalorisé. On le remonterait à 13 milliards d'euros. Et puis avec un État stratège qui défendrait les intérêts de l'agriculture, qui est extrêmement menacé, entre parenthèses, par le prochain traité transatlantique de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, et pour lequel on annonce déjà la mort programmée de l'agriculture. Donc, un mot rapidement sur l'avenir des régions en France et le redécoupage annoncé. Pour cette élection, le Limousin est avec l'Auvergne, une grande région les réunissant. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une erreur totale, c'est un non-sens administratif. En fait, nous sommes soumis au diktat, une fois de plus, de l'Union européenne, de Bruxelles, qui nous impose des réformes structurelles en permanence. Ces réformes, il y a le pacte de responsabilité, il y a la réforme effectivement territoriale. Pourquoi ? C'est pour financer le pacte de responsabilité, entre parenthèses. C'est pour se soumettre à l'Union européenne, à Bruxelles, qui elle-même est dans le sillage des marchés financiers. Donc voilà la problématique. C'est pour ça que nous sommes pour le patriotisme économique et le protectionnisme intelligent en France. Merci Bernard Monod. Vous aurez l'occasion d'en reparler sur notre plateau spécial pour le grand débat mardi prochain à 22h30 avec 5 autres candidats.